she? Demon Llama! Demon Llama? Where? Ow! My head. Okay, Demon Llama. Just take it easy. I mean you no harm. What are you talking about? Oh, wait. I know you. You're that whiny peasant. Emperor Kuzco? Cha! Who do you think you were talking to? You don't look like the Emperor. Oui, évidemment, il est un peu surpris parce que c'est l'empereur, lui, le petit lama qu'on voit là. Il s'appelle Kuzco, c'est un empereur aztèque. Et il a eu un problème, on l'a transformé en lama. Marcus, là, comme il est groupe, donc comme ça. Voilà, ça, c'est du vocabulaire à la Olivier Schmitt de Soundtest. C'est pour ça qu'on a mis ça en dessous. Donc voilà, il s'appelle l'empereur Kuzco, il a été transformé en lama par une malédiction. Et il va tout faire pour essayer de retrouver son apparence normale. C'est le sujet du prochain film de Disney, Emperor's New Groove. C'est le nom du personnage, je crois, Kuzco, il s'appelle. Comme le commandant Kuzco. Vous aurez des blagues avec Serge Lama aussi, vous inquiétez pas, on va tout faire aujourd'hui. Donc ils en ont fait un jeu, évidemment, ça devient traditionnel de faire à chaque fois le film, le jeu qui va avec. C'est pas trop mal, c'est moyen, sans plus, on va dire, voilà, bien, sympa. Et puis surtout, on a des extraits du dessin animé en avant-première. Là, c'est en anglais, mais vous, quand vous aurez le jeu, au final, tout sera en français, évidemment. Vous allez voir que le reste du jeu est traduit en français. Les dialogues avec les personnages et tout. Là, juste les extraits sont en anglais, parce que nous, on a une petite préversion. Encore une fois, quand vous aurez le truc, ce sera tout fini, tout bien en français. I have to get back to the palace. Yzma's got that secret lab. I'll just snap my fingers in order to avec ses deux petits doigts. Voilà, donc vraiment, c'est super bien foutu. Regardez, il a du mal, il n'est pas habitué à marcher comme un lama encore. Mais ça va venir, et puis on va apprendre avec lui surtout. Puisqu'on va diriger, donc il s'appelle Kuzco, je l'ai déjà dit. Et on va le diriger, on va essayer de lui faire retrouver son apparence normale à travers pas mal de niveaux. C'est assez varié, plutôt bien foutu. Nous, on va voir que le premier niveau, puisque ça s'appelle Level 1, cette émission, je vous le rappelle. Donc on verra pas grand-chose. Mais en général, il y a des musiques, il y a un village, il y a une forêt, enfin une jungle. Il y a plusieurs trucs, il y a des rivières, etc. Ce qui est pas mal, c'est que dès qu'on commence à s'ennuyer un peu dans un niveau, hop, ils ont vachement bien dosé, ça change, on passe au niveau suivant. Dès qu'on commence à se lasser un peu d'un jeu, on passe à un mini-jeu comme une course par exemple, ou des choses comme ça. Donc pour ça, c'est vachement bien foutu. Alors regardez, voilà. Vas-y, je veux partir de ce village, quitter ce corps, et rentrer dans mon palais pour construire Kuzcotopia. Un petit peu mégalo. Je ne passe pas d'accord avec les paysans. Dans ce cas, je crois que je ne peux pas vous ramener. Si c'est comme ça, je retrouverai mon chemin tout seul. Non, c'est bien trop dangereux. Contentez-vous de vous balader autour de ma hutte. J'ai disposé des pierres et des cailloux pour vous signaler les chutes mortelles. Bla 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 bla, je n'écoute pas. Bon voilà, allez, je passe le dialogue. En tout cas, au début, ce qui est génial, c'est qu'on vous explique à quoi servent les choses. Donc c'est quand même un jeu qui est prévu évidemment pour les plus petits. Donc tous les personnages que vous rencontrez vous expliquent des choses. Tu peux fracasser les poteries rouges en appuyant sur la touche action. Voilà, là je l'ai fait un peu en avant. Ce qui est super, c'est que on vous explique tout au fur et à mesure. Et un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est que les personnages savent très bien qu'ils sont dans un jeu vidéo. Donc surtout l'empereur, surtout Kuzco, de temps en temps, il fait des vannes sur le sujet. Il se moque un peu de la linéarité du jeu. Il y a un moment où il faut courir très très vite en appuyant sur les touches, un peu comme dans Decathlon à l'époque. Et il dit, oh là là, on faisait déjà des jeux comme ça dans les années 80. Donc vraiment, il y a beaucoup de second degré, ce qui rend les choses bien bien sympas. Mon papa dit que les touches caméra servent à faire tourner la caméra. Je ne sais même pas ce que c'est, moi, une caméra. Voilà, vous voyez, même les autres personnages ont un peu de second degré. Donc ça, j'ai trouvé ça très sympa de se dire, bon, on sait qu'on est dans un jeu vidéo, on n'est pas dupe, donc on en profite et on balance des vannes. Péter cet enfant. C'est de la bombe, bébé. Alors voilà, en plus, il parle comme Joey Star. Et là, regardez, petit passage secret. Ouais. Donc dans chaque niveau, il y a des petits passages secrets comme celui-ci à découvrir. On n'est pas obligé d'y aller, mais ça rapporte des points, en tout cas des pièces, puisqu'il y a un certain nombre de pièces à trouver dans chaque niveau. C'est pas obligatoire, mais ça permet d'obtenir des petits bonus. Là, le premier niveau, bah, on va apprendre à utiliser un peu tous les mouvements. Il y a des sauts, vous allez voir qu'on peut courir. C'est de la bombe, bébé. Du cam, Joey Star. Il y a plein de choses à faire. Et ça ressemble quand même, en gros, beaucoup à Spyro, évidemment. C'est-à-dire, on peut faire des coups, des petits coups de karaté un petit peu. On peut courir un peu plus vite, on peut défoncer des amphores. Enfin, vraiment, c'est très très inspiré de Spyro. C'est un peu moins réussi techniquement. Il y a beaucoup de petits problèmes d'affichage des maisons, des endroits. De temps en temps, on voit pas très très bien. Faire le tour d'une maison, peut-être ça va se voir. Alors, faut faire gaffe, parce que vous voyez, il y a quand même un précipice juste autour.
voyez, il y a des petits problèmes d'affichage. Il a la tête qui traverse à travers les murs, un peu comme Lara Croft, ce genre de truc. C'est pas très très soigné, ça c'est un peu dommage. Disney nous avait habitué à mieux, à des trucs un peu plus soignés. Point de contrôle. Moi j'aime bien les voix, c'est des vraies voix de doublage, je sais pas si vous avez entendu. Alors la petite va nous expliquer qu'il y a des espèces d'interrupteurs sur lesquels on peut sauter pour déclencher des choses. Là ça va déclencher, voilà, ça va soulever ces deux blocs. Et je vais pouvoir sauter tant que les deux blocs sont là, ce qui dure pas longtemps. On entend un petit clic-clac et puis un petit sablier qui s'affiche, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc c'est vraiment très très simple, c'est un jeu de plateforme. Point de contrôle. Très classique. Mais en tout cas, ça permet de découvrir des extraits du dessin animé, et le peu d'extraits que j'ai vu c'est vraiment excellent. Il paraît qu'il est super ce dessin animé, vraiment. Je pense que je vais découvrir, aller le voir. Ça s'appelle Emperor's New Groove, et en fait, c'est des chansons très groove, vieillies, très salsa. Il y a même Tom Jones, je crois, qui chante dedans. D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu depuis le début, mais les musiques sont géniales. On va les écouter un peu, ça fait un peu salsa. Arriba! Tu ne m'attraperas jamais! Tu veux que je te cours après? Ah, alors on va faire la course, après on écoutera les musiques. Regardez bien, en fait quand j'attrape un petit truc comme ça, ça me permet d'avoir un turbo et d'accélérer ensuite. Ça, point c'est de contrôle. S'il m'arrive des mises d'argent, on partirait de là. Donc voilà, là vous voyez la petite barre, c'est le turbo qui s'épuise au fur et à mesure. Et là il faut que je fasse la course passer. Avec le petit gamin. Donc là c'est vraiment exactement comme dans Spyro, souvenez-vous le gars avec le petit gars en bleu qui volait des œufs en faisant oh, oh, oh. Et ben voilà, là c'est la même chose sauf que c'est pas le même personnage, mais c'est vraiment une course exactement comme dans Spyro où il faut maintenir la touche de course enfoncée pour réussir à coincer l'adversaire. Voilà, là je l'ai eu. Tu as cassé mon lama. Bon, tiens, prends mon idole rouge et laisse-moi tranquille. Voilà, alors avec l'idole rouge... Ah, au revoir, jeune ami. Il est très caustique, l'empereur, je trouve ça très très bien. Voilà, donc ça, c'est un icône qui va me permettre de... Les idoles, Cusco rouge, ouvre les portes, Cusco rouge. Ah bah c'est une idole, comme ça je m'emmerde pas avec le genre de icône. Un icône, on dit, non ? Une icône, je sais plus. Un icône, hein ? Qu'est-ce qu'on dit les gars ? Qu'on fasse un peu du culturel de temps en temps. Une icône, je sais pas, je regarderai, je vous viendrai au courant. En tout cas, ça a permis d'ouvrir la porte. Voilà, et je vais pouvoir passer à la suite. Donc écoutons un peu les musiques, voilà, c'est ça. C'est trop génial les musiques, j'aime bien. Et pas... Ah bah évidemment, dès que j'ai écouté les musiques, il y a quelqu'un qui me parle. Là, il m'explique qu'on peut défoncer les arbres. Je vais replacer la caméra, parce que vous avez vu qu'elle se plaçait pas automatiquement. Et ça, c'est très très pénible dans le jeu. Allez hop, un petit coup. Alors, il faut que je prenne de l'élan plutôt. Allez. Et après, on écoutera les musiques. Enfin. Attendez, ça, c'est plutôt sympa comme musique, hein. Ça change de la techno habituelle, vraiment. Alors là, il y a un petit niveau de bonus, vous avez vu. La petite fille... Mon Roudoudou. La petite fille va nous expliquer. Roudoudou est un joker. Voilà. Avec Roudoudou, si tu meurs, tu rejoues depuis le dernier point de contrôle. C'est une sorte de vie supplémentaire, c'est pas un Pokémon, contrairement à ce que pourrait laisser penser le nom. Voilà, regardez, il y a des petites plateformes qui apparaissent. Encore une fois, tout ça c'est vraiment très très classique, mais c'est plutôt bien foutu, à part ces saletés de caméra qui se placent pas toujours au bon endroit. Vous voyez, là je suis de dos par exemple, bon bah je suis obligé de tourner la caméra moi-même avec les petites manettes sur le côté pour pouvoir la recadrer correctement. C'était un peu comme ça dans Aladdin, on a fait Aladdin, souvenez-vous, il n'y a pas longtemps. C'est quand même beaucoup mieux que... Je suis très content d'avoir sensé. C'est quand même beaucoup mieux qu'Aladdin, je trouve. Aladdin, il y a vraiment des moments très très difficiles et pas très jouables. Je me souviens d'un moment pénible, j'étais suspendu à une liane et c'était vraiment très très mal fait. C'était pas de ma faute, c'était pas parce que je suis mauvais, c'était vraiment mal foutu. Là, c'est quand même beaucoup mieux foutu, plus abordable. Alors regardez, je peux me promener avec un petit, comment on appelle ça, une petite amphore sur mon derrière. Voilà, je la mets derrière et je peux me promener avec. Et l'emmener ailleurs, en l'occurrence je vais la positionner sur cette espèce de demi-tronc d'arbre et ça va ouvrir la porte sur le côté. Regardez la porte là, voilà, ça s'est ouvert juste derrière. Ça permet de bloquer en fait les interrupteurs. Donc il y a plein de petits trucs malins comme ça. On va par exemple reconstituer une statue à un moment. Il va falloir choper la tête, le corps et le chapeau et les empiler les uns sur les autres dans le bon ordre pour arriver à ouvrir un passage secret. Donc il y a plein de petites astuces comme ça. C'est pas mal fait, c'est vraiment bien pour les petits, je trouve. Le seul problème, regardez, c'est, je vais aller juste au bord, c'est qu'il y a toujours des précipices tout autour. Et du coup, dès le début du jeu, il y a des précipices assez terribles qui risquent de vous faire mourir si vous tombez dedans. Donc je trouve ça c'est dommage pour les plus petits, parce que le temps de se familiariser avec le jeu, on se paye quand même 2-3 précipices. Parce qu'il n'est pas toujours très précis dans son maniement, le pauvre Cusco. Par exemple, si vous donnez des coups comme ça, des coups de karaté, vous voyez, il avance vers l'avant. Clac. Et si vous faites pas, vous avez le malheur de faire ça au bord d'une falaise, bah vous tombez dans la falaise.
Donc faut pas se tromper de bouton, surtout quand vous risquez de tomber dans le vide. Donc ça c'est dommage, ils auraient pu faire des choses un peu plus progressives et commencer par un niveau comme la jungle qui vient juste après par exemple, où là il n'y a pas ces problèmes, il n'y a pas de falaise, donc ça aurait été mieux de manier le personnage comme ça. Mais bon, en même temps c'est censé être un village, je sais pas dans quelle montagne très haute d'Amérique du Sud, donc c'est logique qu'il y a des falaises, donc voilà. Si le film commence comme ça, il n'y a pas de raison. Vous avez vu là, tac, j'ai fait baisser la colonne. Ça me permet de récupérer quelques pièces et une clé. Avec ça, je vais aller ouvrir la porte un petit peu plus haut. Donc je trouve bien sympa ce jeu. C'est moyen, enfin vraiment, il n'y a rien d'exceptionnel, mais c'est plutôt bien foutu. Et à mon avis, si vous avez aimé le film, je pense que ça doit faire plaisir de retrouver le personnage. Moi, j'ai pas encore vu le film. Tout le monde dit que c'est vraiment génial. Voilà, je vais pas sauvegarder, mais on peut sauvegarder sur une carte mémoire entre chaque niveau. Comme ça, on peut reprendre une partie sauvée. Et puis, on a le fameux roudoudou qui nous permet de repartir. Si jamais on perd toutes nos vies, on peut quand même repartir de pas trop loin sans avoir à se retaper tout le jeu. Donc, tout ça est bien dosé. La difficulté est assez progressive. Vraiment, c'est bien. Encore une fois, si vous aimez des trucs genre Spyro, c'est pas mal du tout. Moi, j'ai toujours un faible pour Spyro. J'aime bien, en fait. Je trouve que c'est un très très bon jeu en soi, pas besoin d'avoir un dessin animé derrière ou un film pour le vendre, Spyro ça tient la route tout seul. Avec à chaque fois ils font des petites innovations. Je suis l'empereur. Ouvre la porte ou je brise tes statues en morceaux. La main des mondes. Voilà, vous avez vu, ils ont fait des gros efforts sur le doublage, vraiment, c'est bien foutu ça. Le doublage est bien fait, il est en français, donc c'est un peu trompeur ce qu'on a vu. La première scène, elle était en anglais. Mes belles statues. Mais vous aurez tout en français, il n'y a pas de problème. Donc vraiment, ça permet en plus de bénéficier de petits extraits du film en avant-première, carrément, puisqu'il n'est pas encore sorti. Je sais pas quand il sort. D'accord, je t'ouvre la porte. Mais là... Vous avez vu, ça, c'est des statues qui se cassent en sautant par-dessus, en fait. Ça dépend. Il y a certains objets qui se brisent en fonçant dedans, tête baissée, et d'autres qui se brisent d'une autre manière. Voilà, il y a des petits scarabées, je vais essayer d'être prudent, de pas me faire choper. Là, regardez, la porte s'est ouverte juste 10 secondes, faut que je chope le turbo. Oups, point de contrôle. J'avance très très vite. Donc, il y a des petites épreuves comme ça. C'est assez varié, en fait, même si on se retrouve toujours dans le même niveau. Ça varie au fur et à mesure. Qui fait qu'on s'ennuie jamais. Ça m'est arrivé de m'ennuyer par moment et au moment où je commence à me dire oh je m'ennuie un peu, et ben hop, on passait à autre chose, à un autre niveau qui était tout de suite plus sympa. Voilà, j'ai retourné un scarabée. Voilà, j'ai récupéré quelques pièces. Vous avez vu, il y a un truc sur le côté là. On peut passer en subjectif pour regarder. Il pousse un petit grognement en plus. Mais là pour le moment je peux pas passer, je peux pas défoncer la barrière. On va passer par la porte, tout bêtement. Point de contrôle. Des points de contrôle, si jamais il m'arrivait des misères, je repartirais de là. Ah, ça c'est des petits... Très bien, c'est des petits raisins. Rappelle-toi, il te faut des grappes de raisins pour cracher. Et toi, il faudrait que t'achètes le dentiste, ma grande. Un petit problème avec les deux dents du devant. Bon, là, j'ai récupéré quelques grappes de raisins. Je vais peut-être en choper quelques-unes en plus. Et pour passer de l'autre côté, il va falloir que j'apprenne à cracher les grappes de raisins. Donc, vous voyez, vraiment, tout ça se fait très, très progressivement. Un peu comme Mille et une Pattes, il y avait un jeu Mille et une Pattes de chez Disney. Qui était sympa aussi, mais qui n'était pas très jouable en fait. Là, ils ont vraiment fait des gros progrès, je trouve, au niveau jouabilité. Alors regardez, voilà. Voir ça de plus près. Là, je peux viser ce petit garçon. C'est toujours le même, hein. C'est lui qu'on retrouvera plusieurs fois dans le jeu. Et à chaque fois, il faut essayer de lui piquer ses jouets. Ah, je l'ai eu. Pas facile que le. Je suis habitué aux commandes inversées. Et là, c'est pas inversé. Ça y est, je l'ai eu. On va l'avoir peut-être 3-4 fois. Ça y est. Tu as encore cassé mon lama. Attends. Oh non, vilain, méchant lama. Je vais le laisser parler parce qu'il est vraiment exceptionnel, l'empereur. Je sais pas si ce sera sa voix dans le dessin animé en français. En tout cas, les voix sont très très réussies. Et il arrête pas de vanner. Je trouve ça très très bien, un jeu vidéo qui a du second degré en fait. C'est pas vraiment le truc primaire, primitif. On se prend pas très au sérieux. Moi j'aime bien quand c'est comme ça. On va bientôt arriver, je pense, à la première course, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs épreuves différentes. Ah, là, j'ai perdu quelques petits points de vie. Ça se voit au petit symbole au-dessus de ma tête, le truc rouge. Ça veut dire que j'ai perdu un point de vie. On va rentrer là-dedans. Oh, un passage secret. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, je fais mon petit coup de karaté. Quelques pièces, c'est tout. Bon, ça valait pas trop le coup. Ah oui, et quelques petits points de vie. Mais c'est bon, je suis revenu à mon maximum. Donc, c'est bien. Ça servait pas à grand-chose. Donc encore une fois, il y a plein de petits passages secrets, à vous de les trouver. Des fois ça vaut le coup, des fois pas trop, comme ce qu'on vient de voir là. Oh,
Ah, mais... Oula, j'ai intérêt à tracer, sinon la porte va se refermer. Ouf! Je suis passé tout juste. Alors, un des gros problèmes du jeu, je pense qu'on va le voir surtout pendant la course, c'est le clipping, regardez. Derrière moi, c'est assez... Sur toi de la ruelle. Ouais, on va y aller, mon garçon. C'est assez... c'est pas très réussi au niveau technique, en fait. Il y a vraiment... Regardez, vous voyez le brouillard dans le fond. Ça s'affiche au fur et à mesure. Et des fois, on voit vraiment très très mal. On voit vraiment très très mal ce qui se passe. Notamment quand il y a des courses, quand il faut courir vite, c'est pas facile de voir arriver les virages et tout ça, parce qu'il s'affiche vraiment trop tard et au dernier moment. Je vais essayer d'arriver à la course, c'est là où ça se verra le mieux. Donc ça, c'est vraiment dommage, ça nuit à la jouabilité, parce qu'on a vraiment du mal à repérer le... Ah bah alors, j'ai du mal à monter. Bon, si la caméra se mettait mieux, voilà, ça irait beaucoup mieux. Oh, c'est mon rendez-vous. C'est très groovy. Ah, il y a un truc génial, oui, un truc que j'adore. Écoutez bien le bruit des pas. C'est un bruit de claquette, en fait. Prends ça. Donc voilà, ça, c'est un petit détail qui m'a bien fait rire. C'est que, voilà, il est vraiment très groovy, cet empereur. Et du coup, alors, ils sont tout le temps en train de chanter. C'est une vraie comédie musicale, hein, le film. Et donc, voilà, lui, quand il court, ça fait un bruit de claquette. J'ai trouvé que c'était une très très bonne idée. Ça met de l'ambiance. Ce qui fait que même... Oh, je suis tombé dans le vide. Ah bah comme ça, on aura vu au moins une fois ce que ça donne. Vous voyez, il me remet juste là au dernier checkpoint. Donc c'est plutôt sympa. Bah ça tombe bien. Ça tombe bien que je sois tombé finalement. Mine de rien. Voilà. Mais sinon, bon, les sauts sont assez précis. On s'y retrouve plutôt bien. Ah, j'ai manqué d'élan. Bon, on va s'arrêter sur cette terrible défaite. Fallait bien que je rate un truc quand même. C'était un level 1 qui s'est plutôt bien passé jusqu'à présent. Vous ne verrez pas la course, c'est dommage, donc on verra pas trop le clipping. Oh bah alors, je manque d'élan. Tiens, allez, je vais mourir. Ça sera peut-être pas plus mal. Ah, mon rond doudou me sert. Voilà, je vais vous laisser là. C'est tout pour ce level 1 aujourd'hui. Donc voilà, je le recommande pour les petits Emperor's New Groove. Assez sympa, second degré, rigolo, bien foutu. Enfin, vraiment plein de qualités. Allez, à bientôt pour un prochain level 1. Je vais me tuer une dernière fois, tiens. Ça en finira en beauté. Allez, ciao, soyez sages.